Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, voilà, sur cette usine-là. C'est l'usine appelée. Donc après j'ai pas tous les modes, voilà, il vous faudra les télécharger, mais c'est juste que vous puissiez voir. Et comme ça je vous explique un petit peu. Donc voilà, vous avez deux bâtiments, soit un voilà, fermé. Et l'autre ouvert, donc voilà, que ce soit fermé ou ouvert, il vous coûtera quand même 55 000. Donc voilà, ça c'est le bâtiment fermé. Et là, vous avez le bâtiment ouvert. Donc voilà, après je ne pourrai pas vous faire toute la suite, donc il vous faudra quand même déjà 12 000 de copeaux de bois, et ensuite il vous faudra deux usines supplémentaires, donc les sacs de pellets et l'usine pour faire des palettes vide pour peler de bois. Donc voilà un petit peu ce qu'il vous faudra, et après ben voilà, il vous suffira de lancer votre production. Voilà, ici, bah vous, là, vous pouvez les acheter si vous n'avez pas les usines. Donc voilà, on va en acheter. Voilà, et des sacs de pellets. Donc, je vais prendre un télescope. Aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez les acheter. Vous n'avez pas besoin de mettre les usines. Donc voilà, je vais charger à la One Again. Donc voilà, après il faudra les charger, ou au moins que vous puissiez les porter à la main. Voilà, bon, en fin de compte, il vous en faut pas beaucoup. Est-ce que l'autre, par hasard, on peut les choper à la main?
Non, on ne peut pas les choper à la main. Donc voilà, vous venez mettre vos sacs de pelets derrière. Ça, je prends tout d'un coup. Voilà, pour celui qui aime bien, voilà, un petit peu les usines, etc. Voilà. Donc voilà, il vous faudra 12 000 litres de copeaux de bois, 480 000 litres de sacs de pellets et 16 litres de palettes vides. Voilà, on va avancer un petit peu le temps, histoire de... Voilà, donc vous voyez, hein, ici, ah, ça fume. Voilà, ça... Ça vous montre un petit peu votre production. Voilà. Vous pouvez en mettre d'avance si vous le souhaitez. Voilà, comme les sacs de pellets, il n'y a pas de souci, vous pouvez les porter à la main. Voilà, un filet, ça vous fait 480 unités. Et voilà, bon, vous voyez, ça avance quand même un peu. Donc voilà. Et ici, voilà, vos palettes, elles sortent. Et après, ben voilà, hein, ouais, parce que j'ai oublié d'arrêter le temps. Donc on va attendre qu'il fasse jour. Donc voilà, et ensuite, hein, vous les chargez. Bon, ben là, je les charge au manipulateur de Big Bag, mais vous pouvez les charger normalement.
Donc voilà, et vous avez le point de vente qui va avec. Je vais juste arrêter le temps. Voilà, donc je vous disais, voilà, vous allez dans la catégorie production, point de vente, et vous avez le point de vente qui va avec. Voilà, je vais juste le placer ici, juste pour que vous puissiez voir. Donc voilà, et ça décharge vos pellets de bois. Donc voilà, pour 1500 litres, donc voilà, ça vous reviendra à 3000 euros. Et voilà, et comme ça, ben vous continuez ainsi de suite. Après, voilà, c'est une petite production sympa à faire. Bon, après, c'est assez longuet. Mais sinon, voilà, ça peut être sympa aussi, ça peut un petit peu diversifier les choses. Et voilà, là j'en ai carrément pris deux en même temps. Voilà. Avec le manipulateur de Big Bag, voilà, et comme ça, ben. Vous pouvez largement voilà, vendre un petit peu plus cher. Voilà, et vous continuez comme ça, ainsi de suite. Vous les chargez, les déchargez. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce petit mode, vraiment pas mal. Donc voilà, c'est usine de pellets de bois. En espérant que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!